de faire que le geste de peinture, il soit là, et que j'ai pas trop à le retoucher. Le truc, c'est que quand t'es sur le tableau, t'as pas de recul. Tu fais des trucs, tu vois, voilà. Et ça prend un sens quand tu te mets à 3-4 mètres. Tu te dis, ben ça, faut que je le précise, ça, faut que je l'efface, ça, il faut que je l'estompe, ça, il faut que je le mette devant, ça, il faut que je le mette derrière. Quand t'es bien, ça vient naturellement, quoi. Je m'assieds 5 minutes, je me dis, j'en ai pour une demi-heure à traînasser ici, là. Et puis en fait, des fois, je suis à peine assis, je me relève parce que j'ai plus compris ce qu'il fallait que je fasse. Comme tu veux, mais je les envoie plus. Alors je faisais faire des grands hectares au 20-25, là, tu vois. Mmh. Et le truc, c'est magnifique comme photo. Quoi. Puis ça partait par la poste, quoi. Mais j'aurais laissé une petite illustration chez eux. Hein, parce qu'ici, on sait que l'illustration appartient à l'auteur. Ouais. Tu ne donnes qu'une reproduction, en fait. Et c'est marrant, parce que quand je suis arrivé à New York, j'ai vraiment ressenti... le
le truc du Velvet Underground, quoi. Tiens. Mmh. Et puis les derniers voyages, ben. Ah non, c'était. Je le sentais plus, quoi. Ouais, j'imagine bien. Tu vois, cette espèce de. Cette musique élégante, sophistiquée, très simple, en fait. Hein, mmh. Mais c'était vraiment new-yorkais, quoi, cette espèce d'esthétique. Non, bah faut que je retourne là. Ouais. Ta-dam, ta-da-dam. Oh,
L'illustration n'a rien à voir avec la peinture. En fait, c'est un travail de commande où tu utilises tes capacités que tu peux avoir de peintre, mais dans une commande. Alors que la peinture, c'est une manière de vivre, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, tu vas dans ton atelier, et puis là, bon, ouais, vas-y mon pote, parce que tu n'as pas de commande, quoi. J'ai quatre dessins à faire. J'ai un dessin à faire, un dessin sur l'oreille interne, un dessin sur l'œil, un dessin sur les muscles. J'étais très naïf à l'époque. J'ai fait les dessins à partir des dessins du 19e siècle, mais simplement parce que je me suis dit, putain, je vais apprendre à dessiner, ne serait-ce qu'en les copiant, tu vois. Parce que je les décalquais pas. Je les recopiais comme ouais, ça à côté, tu vois, et je m'inspirais du truc. Et mais j'aurais jamais. C'était pour une encyclopédie. C'était pas une commande en tant qu'artiste qui doit avoir un style à lui, tu vois. Et tu vois, c'est complètement différent comme histoire. Puis en plus, c'est une formation pour moi. C'était pas. Donc après, en tant que professionnel, si tu veux, j'allais pas utiliser ces dessins, si tu veux, qui avaient beaucoup de gueule pour les vendre. Quoi, ça me paraissait immoral quelque part, tu vois. Donc il fallait que je me trouve mon style. Je fais les dessins. Et c'est le carton. Enfin, pour moi, ça a été le carton parce que ils n'avaient jamais vu des dessins comme ça, si tu veux, dans la presse médicale. Toutes les boîtes de pub à Paris, si tu veux, de médecine, si tu veux, ils voient ce dessin. Et alors après, je te jure que ça n'a jamais arrêté. Un jour, je reçois un truc à la maison, là, un mec qui me dit, voilà, nous cherchons un dessinateur, la maison Hoechst, etc., pour faire des dessins d'anatomie, tout ça. Et puis à l'époque, je bossais énormément, quoi. Donc je me dis, oh, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-ci, quoi. Tu vois, dans le genre, quoi, tu vois. Donc je laisse le courrier sur ma table à dessin. Et puis, puis un jour, bon, je sais pas, un mois après ou un mois et demi après, tu vois, j'ai moins de boulot. Elfie me dit, mais tu lui as répondu au fait à ce mec et tout ça. Mais je dis non, je m'en suis pas occupé. Alors du coup, je prends le papier, tu vois, puis je lis la lettre et je lui réponds en me disant, mais c'est peut-être un peu tard, quoi. Mais enfin bon. Et aussitôt, il me téléphone, quoi. Le lendemain, qu'il a reçu le courrier, il me téléphone, quoi. J'avais mon billet d'avion, ma chambre d'hôtel payée. Je restais deux jours ou trois avec eux. Je voyais le professeur, le grand professeur avec qui j'allais faire le bouquin. Parce que, bon, à chaque fois qu'on faisait un bouquin, c'était sur un... sur le cœur ou quoi que ce soit, si tu ouvres le cerveau, j'allais avec le mec du studio de graphisme, là, et on allait voir les profs à Cologne... un peu partout dans toute l'Allemagne, quoi. En plus, j'ai visité l'Allemagne grâce à lui, grâce à ce boulot. Alors là, c'est la période, si tu veux, où je passe de l'anatomie classique, si tu veux, où tu passes au fonctionnement des cellules et du cerveau et tout ça. Et là, ça devient hyper passionnant. Moi, je plonge là-dedans. C'est de la science-fiction pour moi. La découverte des cellules, du fonctionnement des neurones et tout ça, c'est absolument hallucinant quand tu y réfléchis. Donc, ça m'a vachement passionné. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai fait des trucs et j'ai appris plein de trucs, quoi. Et donc, il y avait une collaboration tout le temps qui était nickel, quoi. Il me faisait confiance. Moi, je revenais ici, j'avais 3, 4, 5 mois de boulot, tu vois, et on me faisait jamais chier, quoi. J'envoyais mes croquis, et puis c'était tout, quoi. Et puis, par contre, j'avais toujours les Français qui me téléphonaient aussi, et là, c'était les boulots en 3 jours, quoi. 3 jours. Quelque part, si tu veux, plutôt que de faire des coups, si tu veux, sur Paris, à chaque fois qu'il te... Où tu sors de là, t'es lessivé, tu vois. Mais là, au moins, j'ai une espèce de... un travail qui était pas comme un travail de fonctionnaire, si tu veux, parce que c'est quand même pas comme ça, mais un truc où je me sentais tranquille, si tu veux. Je me disais, pendant 2 ou 3 mois, j'ai du boulot, tout tourne bien, machin, tu vois. Donc, quand j'avais les Allemands, je refusais beaucoup de boulot à qui tombait, quoi. Ben, je peins quand j'ai des trous. Dans mon boulot, parce que j'ai un trou et je m'inquiète. Parce que quand tu fais ce métier-là et qu'on t'appelle pas pendant une semaine ou 10 jours, tu commences à flipper, quoi. Ouais. Tu vois, donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont oublié ou quoi? Je suis plus Jean-Claude Michel, je suis quoi? Tu vois? Et donc là, le meilleur dérivatif pour moi, c'est comme dans l'enfance, si tu veux, où je m'ennuyais avec mes copains, ben, je me mets à peindre. Puis voilà, je peins et à ce moment-là, j'oublie et... Et ça me permet de toujours avoir un lien avec la peinture et toujours penser à la peinture en sachant que, de toute façon, c'est un jour ou l'autre, c'est ce que je ferai d'une manière quasiment quotidienne. Ça revient sans arrêt, mais à un moment donné, si tu veux, j'ai la chance de pouvoir acheter mon atelier à Paris, à un moment où le prix de l'immobilier est extrêmement bas. Et 7 ans après, je le revends, et c'est 2004, tu vois, et je m'installe ici, quoi.
Aujourd'hui, je suis dans cet atelier et je me souviens d'une époque où les conditions de travail que j'avais alors m'offraient la possibilité de me plonger dans l'univers de la science médicale que j'avais ensuite à traduire artistiquement. En fait, le challenge consistait à respecter le plus scrupuleusement possible ces données et de trouver le moyen de les illustrer d'une manière esthétique optimale pour moi. Putain de solution. La partie qui est en biais, là, comme ça, j'ai presque plus envie d'y toucher, quoi, mais c'est tout le reste qu'il faut mieux. Parce que là, on est, tu vois, on voit des trucs, c'est comme des arts sonis, n'importe quoi, tu vois, on voit d'une seconde. On est au-dessus, quoi, la plongée, elle est bonne. Je m'étais dit, bon, bah, j'irai peut-être au cours du soir des Beaux-Arts de Lyon. Donc je dis à mes parents, ok, ça marche comme ça, et m'envoyer à Lyon, très bien. Tu vois, je pensais pas à une seule minute que je pouvais faire les Beaux-Arts directement, sans, tu vois, sans faire un truc, disons, pratique. Il y a un ami de mon oncle et de mon père qui passe à la maison. Et là, moi, c'était l'été, je me faisais chier, tu vois, donc je commence à faire des reproductions de Picasso sur tous les murs du couloir. Un soir, mon père revient, et il regarde ça, et il me dit, mais c'est toi qui as fait ça? Ben, je lui dis, ouais. J'ai vu une espèce de regard admiratif, tu vois. C'est la première fois que mon père me regardait de cette manière-là, quoi. Il était scié, quoi, tu vois.
complètement, il pouvait pas penser que je m'étais tapé des dessins qui faisaient la hauteur du mur, quoi, tu vois, et puis la longueur du couloir, quoi. Et là, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a... Quand t'es gamin, tu vois, c'est... Enfin, gamin, j'étais pas gamin, j'avais quand même... j'ai pu avoir 17 ans, 18 ans, 17. C'est quand même un truc qui te... Là, ton père qui a un regard comme ça sur toi, tu vois, c'est énorme. Puis donc, ce copain arrive et il voit ça, donc, et il demande à ma mère et il dit, mais Jo, qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est Jean-Claude. Il s'occupe pendant les vacances du genre, tu vois. Et il dit, ah bon, et il va faire quoi, Jean-Claude? Eh ben, il part à Lyon à l'école de commerce. Alors là, il dit, Jo, non, pas question, no question. Il va aller à Paris aux Arts Déco. Tu vois, j'étais là. Je lui dis, c'est quoi les Arts Déco? Je savais même pas que ça existait, tu vois. Mais Paris, alors là, par contre, c'est encore mieux que Lyon, tu vois. Il m'a emmené dans tous les cours qui préparaient aux Arts Déco. On en a fait 3 ou 4. La Grande Chaumière, Charpentier, c'est la même chose d'ailleurs. Et Penningen, et puis je sais plus quoi, enfin, il y en avait 3 ou 4 comme ça. Et après, on rentre le soir, il me dit, lequel tu préfères? Bon, je dis, bon, écoute, il y en avait 2 qui m'avaient plu. Et je lui dis, Penningen, il me dit, ah, bah, écoute, c'est là qu'il faut que tu ailles parce que c'est le meilleur, à mon avis. Donc, on va voir Penningen encore le lendemain. Et il me dit, Jean-Claude, écoute, je te prends à une condition, c'est que, tu vois, tu t'achètes un carnet de dessin et quand tu reviens me voir au mois de septembre, je veux qu'il soit rempli, quoi. Je dis, OK, j'ai passé la fin du mois de juillet et le mois d'août à faire des crevards. Je suis retourné le voir et il m'a dit, OK, tu rentres dans mon cours, quoi. Donc c'est 2 ans de Penningen et tu passes le concours des Arts Déco. Tu rentres aux Arts Déco si tu as le concours. Et le concours, c'est 150 mecs qui passent et il y en a 2500 qui se présentent. Thank you.
Lettre au regardeur. J'ai depuis l'enfance rêvé de voler, voir de là où courent les merveilleux nuages, ou bien de suivre en canoë le cours ininterrompu d'un fleuve qui s'enfonce dans l'inconnu. Je peins cette ville, je vole au-dessus d'elle. Les entrepôts, les embarcadères, les immeubles, l'avenue principale, les symboles prennent forme à partir de taches, de coulures, qui sont là comme en attente d'être révélées au fur et à mesure que mon vol s'approche. Depuis 2001, je me suis remise à peindre, mon métier d'illustrateur m'ayant occupé presque à plein temps durant 30 ans. La transition d'un travail de commande à un travail sans garde-fou s'est faite naturellement, sans aucune amertume. Il était question de retrouver la promesse faite aux arbres. Un enfant de 10 ans marchait le long des rives argileuses d'une rivière, sous le regard bienveillant de son père. Les peupliers sont les pinceaux du ciel, lui disait-il. Un jour, je serai peintre. Je sens que maintenant j'ai retrouvé la liberté de l'enfance. Il ne peut y avoir aucun confort intellectuel pour l'art ni pour toute autre activité de l'esprit. Ne jamais être là où l'on vous attend. Car comme le dit si bien mon ami Damien, jeune homme du 21e siècle, il faut sans cesse combattre notre cerveau reptilien. La pensée dogmatique, les prêtres de l'art contemporain, ces marchands, les gadgets rose-bonbons, la perte constante du libre-arbitre me font pour le moins aussi peur que le réchauffement climatique. Alors quand je peins, tout commence par un trait, une tache, encore un trait, une autre tache. Bientôt, tous ces traits, toutes ces tâches finiront bien par parler, me parler. Le jeu de ping-pong, l'écho entre le support et le geste, le cerveau se met en branle. Bientôt, la peinture s'impose et me guide vers des terres encore inconnues. Alors, je ne décide plus et je me laisse porter par son courant, ce merveilleux courant. Cependant, en peinture, il y a un moment où la géométrie s'impose, après la liberté du geste. There are so many words that shatter all the dawn. There are so many scattered sounds, so many elsewheres drifting. There are so many mornings, so many evenings. There are so many signs, so many splintering lines. There are so many embraces,
so many motionless dreams, so many desires sinking like struck down birds plunging for blue suckers of void. There are so many possibles, so many suspended gestures, suspended nights, so many places, so many shows. There are so many somewhere else's. There is so much life to live. There are so many impossibles, so much life shattering. There are so many bridges suspended at your lips. There are so many worlds to be born, so many circles, so many signs. There are so many lines mingling, so many words to seize, so many evenings, so many nights, rivers, yesterdays. So much nonsense, so much not said, so much silence, so many archipelagos, so many evenings, so many breezes fluttering, so many calls shattering, so much shadow between your eyes, so many forests beneath the night, so many cities, so many embraces, so many motionless dreams. There are so many somewheres, there are so many possibles.